Et salut tout le monde, c'est X-Rouge et on se retrouve sur consolefun.fr pour la vidéo test de présentation de Bound by Flame sur PlayStation 4, édité par Focus Home Interactive, développé par Spiders, sorti officielle le 9 mai 2014 et Peggy nous le déconseille au moins de 16, comme ils le disent si bien dans leur présentation. Donc, je vous prends sur cette vidéo en plein milieu d'un bon moment d'action. On se fait attaquer par ce que j'ai pu comprendre, donc c'est la toute première mission du jeu, par la morte armée. C'est une armée alors que de morts vivants, voilà, donc tout est dit dans le titre. Et donc du coup on s'est réfugié dans un temple pour parce que les vagues étaient vraiment trop nombreuses. Je pense que les barrières ne vont pas tarder à péter d'ici peu. Le héros que nous incarnons, il s'appelle Volcan, mais bon, comme il s'agit d'un RPG, vous pouvez bien sûr renommer votre héros. Mais j'ai trouvé ça un peu bizarre, vous avez beau le renommer comme vous voulez. Moi je suis un grand fan par exemple de Legacy of Kain et je trouvais que Raziel faisait un nom très bien pour un aventurier. Or, même si vous l'appelez Raziel ou quoi que ce soit, il sera appelé Volcan par les autres. Donc c'est un peu con, donc je l'ai remis avec le truc principal. Enfin bref, qui dit RPG, comme vous pouvez le voir, je passe vite fait, qui dit RPG, dit normal, journal de quête, arbre de compétences, enfin je m'en occuperai au fur et à mesure. Les livres de combat, vous pouvez voir tous les méchants que vous aurez rencontrés, une sorte de Pokédex du côté des méchants dans le jeu. Toujours cet effet alchimie pour pouvoir créer des objets, des potions, enfin tout ce que vous voulez. Franchement, ça a été très bien pensé. Il faut savoir que le héros peut être un homme ou une femme. 4 visages. Et 4 coupes de cheveux sont différentes, enfin vous sont proposées, donc ça fait plutôt peu je trouve. Mais bon, sachez une petite chose, c'est que je trouve personnellement, je vais citer d'abord les points faibles du jeu, les textures c'est vraiment, c'est PS3. Ça se voit que c'était un jeu qui était fait pour les consoles d'ancienne génération. Certes il est sur Play 4, donc on voit que c'est du 1080p, c'est beaucoup mieux fait. Mais bon, ce sont des textures PS3 en Full HD. Bon certes, donc du coup ça montre que le jeu est beau, mais je trouve qu'au niveau des textures ils auraient pu mieux faire, hein. Voilà, c'est un point que je voulais quand même un petit peu élaborer avec vous, quoi. Enfin en discuter un peu. Et secondement, là gros point négatif aussi, pas de coopération ni de mode multijoueur. Donc voilà, vraiment un jeu solo de A à Z pour un RPG, c'est plutôt bizarre. Enfin, qu'il n'y ait au moins même pas une simple coopération, je trouve ça un peu chelou, quoi. Comme je vous ai dit, quand même c'est un très beau jeu, et là par contre je dis gros point positif pour un jeu RPG, parce que quand même il faut le réussir en étant, enfin avec un jeu RPG. Le gameplay est monstrueux. Vous aurez différentes armes, comme vous pouvez le voir, vous voyez je parle mais je continue pendant le jeu. Votre héros est équipé d'une arme lourde, d'une arme un petit peu fufu, vous savez, les trucs un peu à la voleur, donc double dague. Si vous n'avez pas remarqué, voilà ce gros rond, hein, c'est le cercle d'assignement. Vous savez, vous mettez un raccourci sur ce que vous voulez, quoi. Donc ils m'ont dit d'avoir l'épée. Non, c'est pas triangle, c'est R1. Donc du coup, voilà, je sors et on pourra passer en mode furtif. Donc je pense que je vais faire un critical hit, sûrement. Je vais peut-être le one shot. Je sais qu'il va plutôt lentement, mais bon, je sais qu'avec les compétences qu'on peut lui filer au fur et à mesure du jeu, quand il prendra des levels. Ouais, j'ai failli le OS. Vous pouvez. Il pourra marcher plus vite en tant que en mode furtif. Donc voilà. Donc je vous rappelle, c'est un RPG. Vous le voyez en haut à gauche, hein, niveau 1. Ma barre d'expérience, c'est la barre jaune. Je vous ai dit, c'est la première mission. Du coup, ça monte plutôt vite, hein, ça y est. Ma barre rouge, la barre de vie. Barre bleue, le mana. Mais je n'ai pas encore mes pouvoirs. Du coup voilà, en fait j'ai fait juste les premières minutes du jeu où est-ce qu'en fait on ne gagne pas d'XP, on apprend un petit peu le didacticiel, c'est pour ça que voilà je sais un petit peu de quoi je parle, mais là je découvre le jeu en même temps que vous. Et ben voilà, ça y est, niveau 2, je vais voir tout ça.
Donc, ok, les compétences pour le menu du jeu, le pad tactile. Donc, guerrier rôdeur, donc l'épée et les doubles dagues. Magnifique. Points disponibles, j'en ai deux. Ouais, c'est écrit au-dessus, c'est bon. Alors, du coup, dans les traits, donc on est dans l'exploration non disponible. Ouais. Je regarde ce qu'ils disent à côté, à énergie, à droite, manière de voir ce que ça pourra offrir plus tard. Pragmatique. On tue un ennemi. Ouais, c'est bien, ça tu prends de l'XP. Dans le combat, donc du coup, ok. Bon, bref. Ouais. Bon, allez, va pour le pragmatique. Hein. Voilà. Et donc, du coup, j'ai toujours mes deux points disponibles là-dedans. Donc, ouais, je me sers plus de la touche carré que triangle. Oui, vous aurez des touches plutôt, enfin, rapides à l'épée. Bon, rapide, c'est un bien grand mot, mais bon, des touches beaucoup plus. Allez, les attaques seront plus vives en faisant carré que des attaques circulaires avec triangle. Enfin, vous voyez, c'est écrit à côté. Enfin, bref, voilà, vous avez compris un petit peu le principe de l'arbre de compétences. Je vous le rappelle, c'est un RPG. Donc voilà, qui dit XP dit level, qui dit level dit points de compétences, qui dit points de compétences dit augmentation de diverses capacités et skills du perso. L'arme que j'ai n'est pas la première arme du jeu que j'ai dans le dos, donc vous aurez récupéré d'autres choses, vous pouvez améliorer l'arme en elle-même au lieu d'en récupérer d'autres, ce qui fait d'avoir une arme vraiment qui vous représente bien personnalisée. Et bim, t'as pris ma bombe, c'est bien ce que je pensais, voilà. Donc voilà, quand je fais L2 et croix, vous le voyez en bas à gauche, je peux poser des petites des pièges à ours qui explosent. Donc c'est plutôt cool. Vu que, ouais, voilà, à preuve du contraire, les spectres sont pas trop affectés par les lames. En fait, il me semble, dans la logique des choses, ça a pas l'air très efficace. Enfin voilà, bon, jusque là vous me direz un piège à ours non plus du coup. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, après, comme je vous dis, donc plusieurs armes et donc un gameplay qui a été vachement affiné pour la chose. Et pour un RPG, c'est une, pour moi, des principales caractéristiques de qualité d'un jeu. Il faut que le gameplay suive un peu pour pas qu'on se retrouve paumé. Par contre, il a un sprint monumental, c'est difficile de gérer le perso quand il sprint. Vous devez rester appuyé sur croix pour qu'il puisse sprinter, c'est un petit peu chaud à gérer. Bon, après, la caméra peut se gérer à côté. Vous voyez sur la mini-carte, certes, c'est moi en flèche, mais vous voyez l'espèce d'arc, enfin, l'angle d'attaque, l'angle, enfin, vous voyez son angle de vue carrément par rapport à votre écran et l'alignement où est-ce qu'il est dans la map. Donc, c'est aussi à prendre en compte. Plus tard, pendant le jeu, vous aurez aussi diverses capacités pour pouvoir contrer les attaques en face, derrière, sur les côtés, vous inquiétez pas, voilà, ça vraiment, ça a l'air un petit peu chaud comme ça à dire, mais non, vous allez comprendre très vite, quoi, c'est vraiment cool. Ah, oh, mon dieu, on m'avait pas dit que Guy Carlier se joignait à la fête. Non, c'est méchant, j'aurais pas dû. Bon, allez, viens, Guigui. Alors, voyons, on va voir ce qu'il vaut. Tac, est-ce que je peux faire des pièges? Non, je ne peux pas, c'est super. Des potions de santé, non, de toute façon j'en ai. Ouais, bon, ok, donc je suis bien dans la merde, c'est génial. Allez, bouffe-toi ça, ça te fait absolument rien. Oh, et moi je prends des dégâts. Magnifique. Putain, c'est cool. Donc à savoir aussi, bon, petite précision sur le héros, il fait, enfin bon, c'est un mercenaire, bon, vous l'aurez remarqué, vu sa tronche, son style d'équipement, le style un peu médiéval combattant avec les bras à l'air et tout, hein, on a l'impression que c'est toujours des mercenaires qui travaillent pour leur compte, à faire ce qu'ils veulent, etc. Mais il fait partie d'une espèce de confrérie, d'une unité de mercenaires qui s'appelle les Lames Franches, c'est ce que j'ai pu comprendre. Appuyez sur rond pour faire un bond en arrière, on va tester ça. Ça a l'air plutôt pratique. Attends, faudrait que je puisse le faire. Ouais, ça va. C'est plutôt cool. Bon, mais tant mieux, au moins ça me fait une esquive supplémentaire. Yeah, je t'esquive encore. Bon, ben ça va. Allez, les dagues de fufu, quand même, ça fait bien plus mal. Franchement. Eh ben voilà, bouffe-toi ça, Guigui. Ah merde, ben y'a le père qui arrive. Alors, oui, donc ça, c'est l'un des gros boss. Apparemment, ce sera sûrement le premier boss du jeu. C'est celui qui nous a poussé à. Qui nous a forcé à fuir dans ce temple parce qu'il arrivait avec les autres vagues. On s'est dit, ouais, on n'est pas de taille. Donc, du coup, il a fallu que. Qu'on mate à retraite. Bon, je vais ramasser tout ça. Excusez-moi, hein, vous savez. Hey, je vous le rappelle encore, hein.
Du coup, ouais, RPG, hein, faut faire vraiment, faut faire le fufu, justement, c'est ça. Faut vraiment récolter absolument tout ce que l'on peut, dès que l'on peut, parce que franchement, les ressources, généralement dans les RPG, en fonction de la difficulté, il y a, elles se font plus ou moins rares, en fait. Donc, effectivement, elles seront plus ou moins précieuses pour votre propre compte. À savoir, en parlant de difficulté, plusieurs modes de difficulté vous sont proposés au fur et à mesure, enfin au début du jeu. Mode, bon, je n'ai pas retenu les noms, vous savez, c'est les trucs un petit peu rôdeurs, vous savez, aventuriers, on met des noms à la place de facile, normal, difficile. Bon, c'est une recette du jeu, d'accord, tant mieux. Si je me rappelle bien, bon, je sais qu'il y en a trois modes de difficulté, no, facile, normal, difficile, et il me semble avoir vu un très difficile. Je l'ai passé brièvement parce que j'ai de suite choisi la difficulté. Mais il me semble que j'en avais vu une quatrième. Donc j'ai pas envie de vous dire de bêtises, donc je préfère dire il me semble. Oh le peuple. Oh le pueblo. Oh le monde. Attendez, 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 je target. Eh, vous avez vu tout ce monde? Oh my godness! Non, bah je vais prendre les. Voilà. Les dagues. Parce que là, ça va yesh. Ah oui. Ah oui. Ouais, non, mais comment. Hop. D'accord, ok. Bon, j'en ai tué 1, 2, je me fais défoncer 3, et je perds au taquet de vie 4. Appuyez sur 1 pour ouvrir le menu. Oui, d'accord, je sais que je suis low life. Alors, hop, clac, et voilà, on reprend de la vie. Donc, alignement, je l'ai mis avec. Faut rester appuyé sur la touche L2 et rond, vous le voyez en bas à gauche. De toute façon, vous allez effectuer votre alignement en fonction de votre capacité de jeu, en fonction de ce que vous voulez faire, quoi. Après, je sais que certains se mettront plus dans le côté magie, ce qui sera sûrement mon cas, parce que je suis plus moi mage que guerrier dans les RPG. Donc, du coup, voilà, il faudra signer les potions de mana, enfin faire d'autres trucs. Eh, mais je croyais t'avoir tué, toi. Vous êtes plusieurs en fait. Eh oui, normal. C'est que ça doit en contenir dans ce ventre. Bon, allez hop là. J'ai retenu la leçon avec le premier. Je vais tenter de. Hop là, encore l'esquive. Voilà, une fois qu'on sait comment ça marche. Hop là, voilà, magnifique. Non, ça va, c'est plutôt cool. Non, non, franchement, je confirme mes propos. Le gameplay, franchement, est très très bien adapté. J'avais peur, franchement, dès que j'ai eu le jeu, je me suis dit. Voilà, je vous l'ai dit, ça se voyait que c'était un jeu PS3. Enfin, un jeu ancienne génération, parce que, voilà, c'est pas. Les textures, le clipping de textures qui met un petit peu de temps à s'afficher, des textures anciennes générations en HD. Bon, ça peut être joli, mais on voit quand même que c'est porté. Ils se disent, waouh, ça fait un peu feignant sur les bords, ils s'en sont pas trop occupés. Enfin, mais franchement, moi, juste à cause du gameplay, franchement, les gros fans de gestion de perso qui veulent vraiment une immersion. Par la compétence et l'habilité du personnage seront ravis par Bound by Flame. Franchement, il n'a pas eu encore de test à ce jour parce que au jour où est-ce que je fais ce test, le jeu n'est pas encore officiellement sorti. Du coup, voilà, je n'ai pas vu de notes approximatives. Personnellement, voilà, quand même, parce que ce sont deux gros points négatifs, ce que je vous ai dit au niveau des textures et pas de coop ni de multijoueur. Pour moi, je lui mettrais un 13 bien mérité, mais c'est vraiment parce qu'il n'y a pas ces deux points que je lui mets une sale note, hein, vraiment. Enfin, sale note, 13, ça, pour moi, ça va. Mais franchement, même si je mets cette note-là, croyez-moi, je trouve que c'est un jeu, enfin, moi qui me plaît, vraiment, je le trouve super. Ce sont des, comme on dit, des start games, vous savez, les nouvelles consoles arrivent, il y a des jeux qui essayent de faire leur entrée dessus. Après, moi, je n'ai pas souvenir des développeurs Spider, je ne sais pas ce qu'ils ont fait d'autre, c'est la première fois que j'entends ça. Peut-être que j'ai dû jouer à d'autres jeux, mais ça ne me parle pas du tout, ces développeurs. Il en va que, comme c'est un start game, voilà, c'est pour ça que je ne vais pas lui mettre en dessous de la moyenne ou une sale note. Parce que je le trouve quand même bien, c'est osé, mais pour moi,
pour moi, ça vaut le coup de l'achat parce que il n'y a pas beaucoup, comme je le répète, c'est un Stargame, il y a très peu de jeux avec divers catégories. Par exemple, je vous rappelle, moi je suis exclu PS4. Par exemple, moi, ça fait maintenant, depuis novembre, que j'attends un jeu de combat. Vous allez me dire, oui, il y a Injustice, mais moi je ne suis pas du tout DC Comics. Du coup, j'attends un jeu de combat avec impatience. Vous savez, il n'y a qu'un seul jeu de combat pour l'instant sur la PlayStation 4. Et là, il y a un RPG qui fait à peu près grandeur nature qui arrive enfin sur la PS4. Donc c'est le premier. Il faut savoir être un peu clément. Voilà, comme c'est la première chose. Putain, mais ça a l'air vraiment dégueu d'être mage. Ça doit être un truc mais tellement chiant pour les mobs adverses. C'est un truc de fou. Enfin voilà. Donc comme c'est un premier RPG, franchement voilà, faites appel un peu à votre clémence. Et franchement, je trouve que c'est un jeu franchement qui se mérite. Moi j'aime bien. Donc voilà. Après, si je dois vous conseiller par contre un super RPG pour moi, pour l'instant, c'est mon coup de cœur 2014, Child of Light est monumental. J'ai fait ce test précédemment, vous pourrez le voir dans une autre de mes, sur mes vidéos de ma chaîne, vous pourrez regarder. Et je le trouve superbe, mais vraiment génial. Donc si vous voulez un bon RPG, je vous conseille vivement Child of Light en premier lieu. Et deuxièmement, je ne peux que vous citer celui-là parce qu'il n'y en a pas d'autre à ma connaissance pour l'instant. Du coup voilà. Mais n'ayez pas peur en voyant ça, je vous assure que le gameplay vous ravira au plus haut point. Franchement, je prends un pied à jouer, vraiment. Au fur et à mesure du jeu, d'après ce que j'ai pu lire des diverses informations et tout, malgré que je me mange une grosse tôle par le boss principal, ça va être un chi con carné la pauvre. Vous allez être accompagné de plusieurs PNJ. Et non, voilà, on dirige vraiment que le héros principal. C'est pour ça qu'il a été un petit peu équilibré, qu'il fait de la magie, qu'il est un petit peu tanky, qu'il fait du dégât corps à corps. Donc ils ont essayé de l'équilibrer en tout point. D'où le fait de ne pas jouer plusieurs persos. Et d'un certain côté, le fait qu'on ne puisse jouer aucun autre perso, mais qu'on peut être accompagné par des mages, des archers, etc. au fur et à mesure du jeu. C'est un bon point, ils sont tous bien parce que franchement l'IA n'est vraiment pas dégueu. Ça aussi c'est un gros point à noter, elle vous aide. Franchement elle est très très bien, elle est très très bien EP, c'est super. Ah ben voilà, ça y est, il commence à être un peu en colère. Il va se faire ratatiner. Enfin voilà, l'IA n'est pas conne du tout. Tant mieux, gros point. Et puis je trouve que du coup le fait de ne pas jouer d'autres persos et de l'avoir mis du coup caster et fantassin en même temps, mais c'est un bon point qui rattrape la chose. Donc pour moi je trouve que c'est très très bien pensé. Aile de triangle, aile de rond, la sphère de feu, l'arme enflammée. D'accord. À ce que je vois ils me l'ont assigné en bas à gauche. Bon, du coup, il y a sa main. Il y a des mobs autour. Ah, je vais d'abord m'occuper des. Bon, ça va, ils me font pas chier. Ouais, si, quand même. Je vais m'occuper des mobs. Enfin, 2-3 mobs autour là, parce que sinon, ils vont me casser les couilles. Hop là, voilà encore. Et en plus, j'esquive son pied. C'est magnifique. Parce que je pense que s'il m'écrase, il me one-shot. Hein. Enfin, un truc du genre. Enfin, voilà. Sinon, c'est un bon point. Est-ce que je peux créer d'autres choses? Non, toujours pas. Bordel, c'est chiant parce que franchement, vous avez vu pendant la vidéo, j'ai essayé de caler 2-3 carreaux d'arbalète. Vous avez vu quand même comme c'est plutôt badass. C'est sympa de faire reculer l'ennemi, et de pouvoir ensuite lui asséner un coup fatal pendant qu'il est au sol ou ne pas tout simplement lui permettre de se relever et de le burster comme pas possible pendant qu'il est au sol. C'est plutôt cool. Ce sont des techniques de jeu, franchement, et c'est bien pensé. Ma première boule a été un fail, ma deuxième a été un fail. Bon, ok, donc du coup, je vais plutôt enflammer mon épée. Et là, je pense que ça devrait faire mal. Ouais, la potion de mana, on verra plus tard. Bon, pour l'instant, je vais essayer de le décalquer. Bon, et d'une main. Comment j'ai défoncé le mob à côté, le pauvre, il avait rien demandé. Voilà, ok, l'autre main, c'est fait. Ces autres mobs là me cassent les couilles. Cassez-vous. Mais non, franchement, si vous voulez mon propre conseil, si vous cherchez un RPG en particulier, franchement, non, ce sera pas un jeu qu'il faudra laisser. Franchement, vous pouvez le tester, je vous donne franchement confirmation. Il est cool. Et puis en plus, il y a divers mondes, vous n'allez pas rester que sur ce temple. Je sais que plus tard, il y a des marais, une espèce de jungle qui est très très jolie. Enfin, plusieurs mondes, enfin, c'est vachement bien. C'est vraiment à découvrir quoi. C'est,
C'est ce que je vous dis, ça reste un RPG. Bon, il me reste quoi? Il me reste cette jambe, et là je vais la défoncer. Ah ouais, non, mais c'est vrai que l'épée en flamme, ça fait vachement plus mal. Eh ben voilà, dans ta gueule! Eh ben voilà qui est fait. Du coup, il va falloir que je pète dans sa tête. Ah non, même pas. Il va le faire lui-même. Ah ben voilà. Eh ben le méchant principal, il se fait boon by flame. Le jeu de mots, le lilol. Enfin voilà. Bon, mais je pense que ça sera terminé ici. Eh bien écoutez, ouais, il me semble, de toute façon, ouais, j'avais vu vite fait une vidéo, je sais que le premier truc, ouais, ben voilà, ça se finit comme ça. Et ben voilà, ben, ça fait une jolie petite présentation de première mission. I'm burning! Ok, c'est cool. Donc voilà, et eh bien écoutez, j'espère que mon test sur le jeu Boon by Flame vous aura plu. Franchement, n'ayez pas peur. Oser, et puis je sais qu'il ne coûte pas 70 boules, il est moins cher, je ne me rappelle plus du prix, mais je sais que c'est, je crois, 10 euros de moins. Enfin voilà, sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, et à ciao tout le monde!